Mes viewers, bonjour et bienvenue pour la suite d'aventure sur Mountain Blade ou Bannerlord. Bah oui, Bannerlord, bien sûr. Ok, donc là on va se chercher. Oh bah tiens, Tormund. Alors. Nous agrégeons de mercenaires, et certains d'entre eux, je l'admets, sont des hommes d'honneur. Votre récompense sera de 20 deniers pour chaque groupe d'ennemis que vous vainquez, ou pour un acte équivalent. C'est vraiment de la merde. Alblockson a rejoint les Vlandiens. Donc vous pouvez compter sur moi, je dois partir. Bon. Est-ce que... Bon. Je sais pas quitter toi, mais je vais te défoncer, mon pote. Ouais. Kill them all! Kill them all! Look after me! Attention, j'ai pas de PV, hein. Ok, j'ai réussi à dé... Ah, je l'ai pas eu! J'ai pas eu le cheval! C'est bon, il est down. Il est down. Bien. 2,4 de renommée, c'est pas mal. Prisonnier, bien sûr. On est avant tout là pour se faire de la thune en tant que mercenaire, donc je prends les prisonniers. Est-ce que tu veux me racheter mon prisonnier, madame? Je peux pas lui donner mon prise. Ah si, il gagne. Je pourrais lui. Non, c'est triste. Je pourrais lui troquer mon prisonnier contre un cheval. Oh mon dieu. Ah, on est en guerre contre personne en fait. Est-ce que. D'accord. Donc tout ça c'est ok, mon clan. Ça marche. Oui, c'est ça. Alors, groupe. Est-ce que je peux créer un groupe? Non. Il faut que je passe T2. Ok. Et ça marche.
Combien qu'on a de pépettes, nous? Pas beaucoup, 2000. Il faut de la thune, bordel. Toujours pas de mission, les amis. Bon. On va faire un écart dans le roleplay, on va dire. Je suis allé faire la cachette. Peut-être que... Vous savez, peut-être qu'elle est buggée, la cachette. Ah, on est en guerre contre... Ouais, mais c'est chiant, ça. Il reste déjà plus que 3 zones, là-bas. Eh, hey, les Azeraï, ils sont déter, là. Ah ouais, d'accord. Ah mais le camp de brigands est tellement pourri, quoi. Je fais pas de duel avec les brigands, ta mère. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas de quête. Faut avouer qu'ils étaient un peu pourris quand même. Ça c'est fait. Par contre, il y a un truc de pillard des mers qui a popé quelque part, c'est sûr. Je vais m'acheter... Craqué, toi. Je vais aller m'acheter des chevaux. J'ai l'impression de me traîner le fion, quoi. Alors, il y a que des mules, mais tu te fous de moi. Bon, écoute, c'est une... Il y a que des mules, qu'est-ce que je te dise. Oh là, attention, je vais en avoir beaucoup d'un coup là. Bon, il fait nuit, je vais la faire en automatique, vous allez rien voir, sinon ça sert à rien. J'ai deux morts. Hein. Mais bon, 10 level up. Tireur d'élite vlandien. Ça y est. Avant-garde vlandienne, ça c'est cool. Ça. Ah, ça c'est de la merde. Mais elle sera contente. C'est de la merde, c'est pas beau en fait. Ça c'est mieux. Bon, je vais aller voir à Sargot s'il y a des chevaux, du coup. Eh merde. Cool. Des dadas. J'adore la cavalerie. Je sais pas. Avant, j'étais pas spécialement fan de cavalerie. Mais je sais pas. Ça devient... C'est peut-être en vieillissant. J'ai plus envie de courir à pied, vous savez.
Maintenant, j'aime bien le confort du cheval, j'en sais rien. Alors, entrez dans la forge, place du marché. Des dada. Ouais, deux mots des dada. Merci. Oh, ce serait un peu gamin, je trouve, de dépenser toute ma thune dans une seule épée. Alors. Je suis vraiment un sale gosse. Hop, hop. Ok, bon, on n'a plus un rond, mais j'ai une belle épée. Et des chevaux. Enfin, deux chevaux. Est-ce que je voudrais essayer ma nouvelle épée, s'il vous plaît? Si. Tiens, le brigand est sympa. Ils auraient pu fuir... Tan 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 tan. Ils ont l'air contents, hein. On a gagné la bagarre. On a gagné la bagarre, ils sont contents. Moi, je suis content aussi. Bon, on est en guerre alors. Hop. Allez, on se dirige vers le front. Parce qu'en fait, je suis mercenaire, je suis censé faire la bagarre. Pour aider la faction qui m'a recruté. Et pourquoi? En quel honneur les pilleurs ils se mettent avec eux? Il n'y a pas de raison en fait, si? À part que j'ai trop de puissance et que... Mais sinon... Qu'est-ce qu'il a, le Kesto? T'as fait un beau cercle, mach. Je vais te décercler, terre. Allez, charge d'infanterie, là. Oh, mais alors? On tient pas la position? Tamir, crève. D'où? D'où les pillards, ils ont rejoint mes ennemis, quoi. Bon, ça fera plus d'XP, hein, mais... Ah,
Voilà, monter le niveau. C'est pour ça qu'il faut, toujours diversifier. Ouais, je change souvent d'arme. Même si c'est pas utile, on s'en fout. Je demande à toutes mes troupes de dégager. Non, dégagez. Ah, c'est dommage, j'ai peur. Je leur ai dit dégager, mais pas assez loin en fait. Je voulais finir ça en mode duel, machin, mais j'ai raté mon coup. Ah, il y a le roi. Il y a le chef qui a fait une armée, il faudrait que je le rejoigne. Il est à Talivel. Attends. Non, ça c'était très con de faire ça. Il a déclaré la guerre aux Verts alors que je suis au milieu du territoire des Verts. Je vais me rapprocher d'un de mes châteaux. Ok. Je vais aller... Ça, c'est mes troupes, elles vont rester là tranquillement. Ce sont mes troupes, bien sûr. Bon, là, je contrôle que dalle, hein. Enfin, à part mes 10 gars là-bas. Oh. Vous voulez pas vous mettre en formation là, non? Voilà, la blinde de cave qu'on a sur le flanc gauche. Faut me dire quand on y va les gars, j'ai pas... je sais pas moi. Oh la vache. Oh la vache. Oh c'est beau. Non mais vous allez pas charger comme ça. Faut amener les archers. Regardez.
Bon allez Krug, faut rester en vie. Oh la vache, elle. Il y avait une arrière-garde. C'est con parce que j'ai une belle épée quand même. J'ai l'impression qu'ils avaient gardé des troupes en arrière, non? Oh ça va, les rouges leur roulent dessus. Enfin... Je suis pas sûr. J'ai vraiment... Ouais, on s'est fait flanquer. On s'est fait flanquer. Dans le log, c'est pas bon pour notre gueule. Hein. Eh, ça va qu'on ait beaucoup plus. Hein. Oui, encore, ça va. J'ai gagné 1,7 de renommée. Bon, c'est peut-être parce que je suis tombé dès le début. Aldric, je t'en prie, Aldric. On est copains maintenant? Le problème, c'est que j'ai pas de place. Il y a 27 prisonniers sur 18, c'est ça? Du coup, c'est pas assez, quoi. Ah ouais. Ah ouais, j'ai perdu énormément en fait. Et bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter. Recrute un petit peu et puis c'est tout. Hein. Oui, allez, c'est bien. Montre-moi. Que de la merde. C'est bien. Bon. Est-ce que j'ai à bouffer? Non, j'ai rien à bouffer. Il faut que j'achète à manger. Je les aurais bien suivis dans la campagne militaire, mais j'ai rien à bouffer en fait. Le lin, ça ne se mange pas, Krug. Ah, cool. C'est dommage, je sais pas où est l'armée de... L'armée qui était avec nous il y a 5 minutes, je sais pas où elle est. Mais moi, il fallait que j'aille acheter à bouffer, je ne pouvais pas les suivre. Impossible. Ah, je les aurais bien vu siéger ce château, mais non. Donc du coup, c'est con ce que j'ai fait, parce que j'ai laissé mes troupes pendant la grosse bataille, je les ai laissées à l'arrière, histoire qu'elles se fassent pas défoncer. Mais à mon avis, elles ont été prises...
Elles ont dû être pris Harvey en fait. Rovalt, il y a une ville là-bas. On va aller voir à Rovalt ce qui se passe. Okay. Un petit pillage de village en passant. Moi je vais pas le piller, je vais juste les défoncer à la garnison. On va juste défoncer la garnison, ce sera cool. Merde. Évacue. Et hein, je suis coincé sur le barbecue. Dommage, faut lui mettre une balayette là. Damn. Ok, cool. Donc là le pillage est ok. Ça on occupe pas. Il faut que j'aille vendre mes prisonniers par contre. Là je perds de l'argent. Je vais les prendre. Ouais. Je vais les prendre parce que la ville, je crois que la ville est pas très loin. Ouh, Cap des Hauts Plateaux. Mon noble entre guillemets risque de s'enfuir. Mais je suis pas persuadé que Stokar y ait grand monde qui veuille le récupérer, donc c'est pas très grave s'il s'enfuit. Alors, vous ne pouvez pas piller tous les salaires, le groupe perd 1,8 de morale. Et merde. Mmh. 1280. Putain, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Ok, bon, sur ce, les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir Krugar Adblockson du clan des Adblockson. Ciao.